We'll be right back.
Vous êtes détendu. Le gland, bien tendu. Mais vous, détendu. Vous êtes apaisé, reposé, peut-être baisé. Mais vous êtes détendu. Et nous allons tous ensemble ce soir nous détendre en écoutant de la musique, en point douté, bannissant des gens, en hurlant sur des points d'exclamation Discord sur des rats qui vont venir et juste mettre un point d'exclamation Discord et n'en avoir rien à foutre du stream et ne même pas dire bonjour. Des gens qui vont tenter de faire leur promo, des gens qui vont tenter des choses. Il faudra rester aux aguets, il faudra être détendu face à ces gens-là. Nous serons détendus et nous serons présents pour leur dire « Allez vous faire en... » Non, j'irai par la suite. Salut ou quoi, ça va ? Salut ou quoi ? Salut, ça va ou quoi ? Oui, j'ai oublié deux mots. Putain, j'ai oublié deux mots. Je recommence. Salut, ça va ou quoi ? Comment ils vont en Charmendo Whiteface, là ? Comment ça va ? Putain, il m'a démasqué. En parlant de démasquer, juste avant de lancer le stream, j'étais en train de regarder une des... Tu sais, la dernière vidéo de YouTuber masqué, si vous connaissez. Il a fait une vidéo d'une heure sur Avicii. Elle est incroyable. Il faudra qu'on la regarde un jour en live, peut-être, ou je sais pas, mais en tout cas, allez la voir. Même si vous n'êtes pas très très fan d'Avicii, si vous, tout le monde connaît Avicii, hein. Et même si vous les êtes fan de loin, elle va vous toucher parce que, putain, incroyable. Est-ce que vous saviez qu'Avicii, il avait été repéré par Late Bat Luke? Moi, je savais pas. Oh my god, pas de chemise pour un stream. Bah, ça arrive, Sandmine, de temps en temps, ça arrive. Elle est incroyable, la vidéo, tu l'as vue? Ouais, merci pour la reco. Bah, c'est une vidéo qui dure une heure, alors je sais que toi, Whiteface, t'aimes pas ça, mais putain, j'ai vu une vidéo tuto de Bass Hunter, du coup, dedans. Une vidéo tuto de Bass Hunter de 2007. Enculé. Ça, ça fout un coup, hein. Oh là là. Salut à tous. Allô, le Québec, ça va ou quoi? Ah, c'est différent. Chemise en jean. Oui, bah écoutez, j'avais pas encore eu l'occasion de la mettre. Je me suis acheté ça récemment. Je fais un petit plaisir, et pourquoi pas. Elle est un peu trop grande pour moi, mais qu'à cela ne tienne. Voilà, ça fait plaisir. Ça... Et c'est dimanche. Normalement, je suis pas censé stream le dimanche. Le dimanche, je suis chill, tu vois. Voilà. D'accord. Eh ben, je vais stream tous les dimanches maintenant. C'est parti. Stream tous les dimanches. Let's go. Raid du dimanche. Ah bah ça y est, je stream tous les dimanches. Allez, on se retrouve uniquement chaque semaine, tous les dimanches, à 20h. Bonjour, bonjour Camouille, bonjour le raid, bonjour Yuzu, Yuzuma, ça va ou quoi? Bienvenue à tous, merci d'avoir pensé à moi. Est-ce que je suis le streamer par dépit? Je sais que ça arrive, hein, tu sais Camouille, quand on cherche à faire un raid de fin de stream parce qu'on est des gens qui adorent partager, évidemment. En tant que créateur de contenu, et on se dit, tiens, j'ai envie de faire un raid, mais j'ai pas grand monde aujourd'hui. Et il y a toujours le streamer par dépit, tu sais. Le mec qu'on se dit, bon, on l'aime bien, mais voilà, c'est pas le premier choix. Est-ce que je suis le streamer? Sois sincère avec moi, si tu me dis oui, je le prendrai pas mal, sinon je te poserai pas la question. Combien on submit max pour feedback? C'est illimité ce soir, c'est open bar! C'est illimité ce soir, totalement. Bonsoir Suricat, tu étais mon premier choix. Ah, merci. Merci mon Camouille. Bon, puisque je n'ai pas un seul modo encore présent et que je suis obligé de bosser, j'ai 6 modérateurs, pas un présent. T'imagines Camouille? C'est quand même assez scandaleux. Hein. Bon, petit shout-out pour Camouille la Fripouille, un mec exceptionnel. Dans le sens où il fait des jeux, il organise des tournois avec d'autres streamers aussi, où il fait gagner des trucs. Je sais pas s'il y aura une deuxième édition un jour, mais on l'espère. C'était vraiment une idée de fou malade, ça c'est clair. Et puis, gars très sympa, très chill, où j'aime bien passer le dimanche, évidemment. Car il a une voix très apaisante et a de l'humour à revendre. Ça fait plaisir. Voilà. T'as des modérateurs, toi? Ouais, j'en ai 6. La preuve. Nice. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à le follow et merci beaucoup. C'était quoi aujourd'hui le programme Camouille, du coup? Bah du coup, aujourd'hui, je suis pas passé. Je passe souvent en lurk, mais là, je suis pas passé. Pour la simple et bonne raison que je préparais mon stream. Et que j'ai bossé aujourd'hui. J'ai bossé toute la journée. Putain, j'en peux plus. Hein. Là, c'est mon moment où je bosse encore, certes. Mais c'est le moment où je... Voilà, j'évacue un petit peu, là, tu vois. Ça fait du bien. Et j'ai hâte de bannir des gens ce soir.
Les modos au chômage, comme d'habitude. J'en ai aussi, mais ils viennent pas sur mes lives. Non, mais c'est fou, hein. Camouille, t'es comme moi, hein. On fait des choix dans la vie, mais on fait pas toujours les bons choix. Hein. Non, je rigole, moi, mes modérateurs, quand même, ils sont exceptionnels. C'est juste que là, le live vient de démarrer, hein, il y a 12 minutes. Donc, précisément, ils n'ont pas eu le temps de venir encore. En tout cas, bienvenue à tous. Merci, en tout cas, encore une fois, pour le raid. Je suis le premier choix. Et bah, écoute, je le prends tel quel. Et puis, j'ai jamais l'occasion de te rendre l'appareil, je me rends compte. Parce que nos plannings de stream sont pas trop, ne coïncident rarement. Parce que le dimanche, je stream jamais. Hein. Pour le coup, là, c'est exceptionnel. J'avais envie. Ouais. Bon, je verrai. Si je peux te rendre l'appareil un de ces quatre, ça me ferait extrêmement plaisir, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, on est musique. Ici, c'est une chaîne 100% musique. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Colbane, voilà, artiste de la musique électronique depuis maintenant trop d'années. voilà, artiste et créateur de contenu aussi à temps plein. YouTube, un peu en pause, mais quand même YouTuber avec certaines vidéos qui sont sorties. Twitch, bien sûr, TikTok, tout ça, Instagram. On est partout avec des sons qui sortent très régulièrement. D'ailleurs, le prochain son, hein, mesdames et messieurs, rendez-vous le 10 mai prochain pour le prochain son de Colbane avec l'artiste qu'on entend en fond, là, Akitori. Voilà, donc Thunder qui sort le 10 mai prochain. Et en attendant, si vous voulez écouter un petit peu tout ce que j'ai fait jusque-là depuis 2000... combien de temps je publie les tracks, moi? 2017. Point d'exclamation Spotify dans le chat, si vous avez envie de jeter une oreille et de découvrir un petit peu ce que je peux proposer au monde. Voilà. Si ça peut vous faire kiffer, si vous avez envie de découvrir autre chose. Voilà. Je te connais pas direct, mais je connais ton pseudo. Ta pseudo musique chez DGZ. Ah bah oui, eh bah oui, forcément. Saison 2, hein. On était là à la saison 2, nous. Hein. Oui, oui, oui. Eh bien, bien sûr. Le copain DG. Ça fait longtemps que je ne suis pas allé le voir aussi. Mais il faudra que j'y aille. J'ai été pris... La semaine dernière, j'ai été très pris par un espèce de sabaton, là. Où j'ai dû modérer 154 heures de live. Après. Avant ça, j'ai eu ma fille à la maison. Donc, c'était. C'était compliqué. On n'entend pas bien fort le fond. Ah oui, 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 parce que c'est vraiment au fond. Hein. Là, j'ai remonté un petit peu le son. J'avoue, j'ai pas mon retour son dans les oreilles, là, pour le coup. Mais c'est vrai qu'il est un peu faible parce que la musique est très chill de Akitori. Et là, ça va vous surprendre ce qu'on va sortir, là. Bon, bref. J'en dis pas plus. Ouais. Donc voilà. Voilà un petit peu. Ce soir, c'est musique, c'est session feedback. S'il y a des artistes parmi vous, peut-être, qui ont besoin d'un retour technique, d'un retour artistique sur leur musique, n'hésitez pas. Voilà. Vous pouvez m'envoyer ça et je tâcherai de vous aider dans vos projets, bien sûr. Et ce soir, c'est illimité, parce que d'habitude, mes sessions feedback sont sur mes streams du vendredi, sur la dernière heure de stream. Ça dure qu'une heure, donc beaucoup d'appels, peu d'élus. Mais là, ce soir, c'est méga illimité, méga session feedback. Voilà, c'est open bar. Allez-y, tant qu'il y en a, je suis là. J'espère que ça ne durera pas jusqu'à 4h du matin, mais bon, tant qu'il y en a, on est là. Let's go. Envoyez-moi que des WIP et Unrelease, bien sûr, WIP, Work in Progress en anglais, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la langue de Shakespeare, donc Work in Progress en bon français, et des musiques qui ne sont pas sorties, évidemment. Hein. Voilà, donc lien SoundCloud obligatoire, et faites-vous plaisir en message privé Discord. Genre jusqu'à 4h du matin. Non, j'espère pas. J'espère me coucher avant quand même, Whiteface. Mais c'est tout ça pour dire que tant qu'il y en a, on y va. Après, il y a un paramètre à prendre en compte, c'est la lassitude. Et vous connaissez ma patience avec les feedbacks maintenant. Ça peut vite, vite partir en... Bon, ça y est, c'est bon, j'en ai marre. Ça peut très très vite partir en... On s'arrête, hein. Voilà. Yes. Ah, mais on n'entend pas la musique parce qu'il n'y a plus de musique. Je me disais aussi, ça défile pas, là, tiens. Au con, le mec. Un feedback à ton. Non, c'est pas un feedback à ton. C'est une session feedback parce que c'est vrai que vous m'avez régalé récemment avec la sortie de Let's Go Out et plein d'autres choses au final, hein, au quotidien. Et je me suis chauffé cette semaine. Je me suis dit, quand j'ai fait mon planning en début de semaine, je me suis dit, tiens, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un live 100% feedback. Autant y aller à fond. Et puis, il y a une petite chose qui peut vous intéresser si jamais il y a trop de monde. Hein, si jamais vous avez envie de prendre un sub ou de sub gift, hein, ça marche aussi. Vous pourrez skip the queue, donc passer tout devant. Voilà. C'est un coupe-fil comme dans les. comme tu peux les acheter dans les. Comment ? Les fêtes foraines, les coupe-fil. Voilà. Les fêtes foraines, les parcs d'attractions. Je dois filer, ma compagne m'attend. Bah, tu passes le bonjour à dos, hein, bien sûr. Camouille, et puis bonne soirée à vous deux. Hein. Et merci encore pour le raid. Hein. Merci, c'est très gentil. Voilà. Bonne soirée à vous deux. Incroyable. Je connais la compagne de Camouille. Hein. Je la connais.
Pas personnellement, mais je la connais, de loin. Comme Alain. Alain de loin. J'encaisse super bien, tu vois. Et j'encaisse même bien les beats. Voilà. C'est le cas. Eh oui, cet homme a raison. Camouille la frite ou cheer d'X10. Merci pour les 10 beats. Beats, putain. Je sais toujours pas le prononcer, hein, c'est fou. Hein. Merci beaucoup, Camouille, ça régale. La bise. La fripouille. C'est bon, ça. Il y a des gens, ils ont des pseudos, c'est exceptionnel. Hein. Voilà. Il y a des gens, ils ont réfléchi, tu vois. Il y a des gens, ils ont du second degré, ils ont des Camouille la fripouille, tu vois, c'est très sympa. Il y a un espèce de con, lui, il s'appelle Colbain parce qu'il a entendu ça dans un match de foot. Rien à voir. Ça marche, la roue? Allez vous faire foutre avec les roues, je vais l'enlever, hein. Je vais littéralement l'enlever. Non, si vous voulez qu'on fasse une vraie session feedback, il n'y a pas de roue. Est-ce que je l'ai encore désactivé, la roue? Bah tiens, ça m'y fait penser. Je vais aller voir ça. Tu m'y fais penser, parce que là, ce soir, flemme, hein. Je ne l'ai pas setup. Elle va sauter. La roue, j'annonce, elle va sauter. C'est bon, j'en ai marre des roues. Ça saute. Ça saute à partir d'aujourd'hui. Voilà, là, c'était la phrase de trop. Hop. Tu es déjà sub. Ouais, bah on en reparle le mois prochain quand elle y sera plus, hein. Et que tu pourras plus prendre ta roue, là. Elle reviendra quand j'en aurai envie. Hein. Voilà, ça y est, saute. Hein. Hop, vous savez quoi, je vais même la désactiver maintenant, tout de suite. Allez, c'est bon. En attendant, si vous voulez dépenser vos points de chaîne, allez-y. Hein. Il y a le giveaway toujours ce soir. FLP a gagné, comme d'habitude. Mon timeout quotidien. Mais tu sais, ça peut être gratos, hein, les timeouts, hein, Charmando. Voilà. Demande 5 minutes et je te mets 5 minutes. Hein. Pas besoin de payer 1000 ConoCoin. Hein. Ça peut être fait comme ça. Hein. On peut s'arranger à l'amiable, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Évidemment. On peut s'arranger. La roue, elle est où? Elle est où? Ça dégage. Hop, désactivé. Allez, hop, finito. Et ça reviendra peut-être un jour. M'en fous, j'ai les 50 000 points de chaîne. Les 50 000 points de chaîne sont là. D'accord, mais qu'est-ce que tu veux? Ah oui, 50 000 pour acheter un sub. Ouais, bon, comme tu veux. Comment je vais battre le record s'il n'y a pas la roue? Oh, mais tu sais, le record est imbattable. C'est Edos qui l'a et on peut plus calculer. Il est à 999 plus, hein. C'est pour dire, hein. Il en a eu tellement. Non, le record est inatteignable, Charmando. C'est beaucoup d'années de tryhard. Hein. Beaucoup d'années de vannes complètement merdiques. Hein. Ouais, toi, t'es à 24, mec. T'es à 24 et lui, il en a plus de 1000. Hein. Donc, tu peux t'accrocher, hein, Charmando. Et en plus, la performance d'Edos, hein, en avoir plus de 1000, ça s'est fait sur une année. Hein. Sur une année! C'est pour dire à quel point on était chaud patate à l'époque. Hein. Je veux le record de sub non payé. Le record de sub non payé, c'est 10 mois actuellement. Détenu par Tom Ingold. Un rat de la pire espèce qui aujourd'hui, quand il passe, il paye. Ça, c'est bon, ça. Alors, j'ai espoir en vous. Hein, est-ce que les rats d'aujourd'hui seront les payeurs de demain? Je l'espère. Machallah, comme on dit, hein, à Genève. Machallah. Je suis à 6 ou 7. Ouais, non, record toujours en cours, hein, évidemment. Record toujours en cours. Bon, oui, c'est vrai qu'il y a une petite lumière naturelle, je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais forcément, parce que ma fenêtre est ouverte, parce qu'il fait encore jour, hein, il est 20h, d'habitude je lance à 21h, profitons-en, hein, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'à l'été, c'est ça, sur les streams du soir. Je suis mal coiffé, on dirait, hein. Je suis pas bien coiffé ce soir, hein. Il est pas beau. Hein. Oulala. Pas bien coiffé le type. Bonsoir, de toute façon, on n'est pas là pour ma gueule. Hein. On n'est pas là pour ma gueule. Music time! Ben oui, Glav! Comment ça va, Glav? Eh oui, music time ce soir, alors c'est exceptionnel, mais on verra comment se passe le stream de ce soir. Parce qu'il y a un monde où c'est exceptionnel, où ça devient récurrent tous les mois. Peut-être, je sais pas. Parce que c'est vrai que je me suis fait la réflexion il n'y a pas si longtemps que ça, de me dire que je stream le lundi, mardi, jeudi, vendredi. D'accord, c'était des horaires qui étaient adaptés en fonction de mon ex-vie de famille. Aujourd'hui, je suis tout seul, à la maison. Donc, il arrive que le vendredi, bah, quand je clôture mon stream à 18h, je reprends que le lundi à 15h. Ça fait long pour moi. Et l'envie de stream le week-end se fait très très présente. D'ailleurs, j'étais à deux doigts hier d'envoyer un message sur Discord en mode « Hey les gars, j'ai envie de stream samedi soir qui est chaud ». Finalement, je l'ai pas fait, c'était pas plus mal. Donc, l'envie de stream le week-end revient fortement. Sauf que je sais pas quoi vous proposer encore. Voilà. Donc, j'aimerais bien, c'est vrai, stream le week-end, mais que vous proposer, je sais pas. Alors, peut-être que les sessions feedback comme ça, si ça me casse pas trop les couilles, ce sera une fois par mois, un dimanche. On verra bien. Mais c'est vrai que je suis tenté de rajouter un stream supplémentaire sur mes semaines de stream. Lequel, je ne sais pas. J'ai eu pensé hier, par exemple, à relancer les collab challenges. Mais je sais que ça va flop. Donc, voilà.
Ouais, pas forcément du feedback. Je sais pas quoi, mais envie de stream le week-end quand même. Peut-être une plus longue session écoute de musique ou du React. Du React, c'est compliqué. Parce que question de droit, c'est plus difficile que la musique. Hein. Donc le React, malheureusement, c'est niet. Session d'écoute de musique plus longue. Rendez-vous à chaque release day, pour le coup. C'est décidé, c'était improvisé comme ça à la dernière release day. Chaque stream du vendredi release day, il y aura une session d'écoute de son qui durera 2 heures au lieu d'une. Je ne ferai pas de prod pendant ce moment-là. Parce que j'ai besoin de faire de la promo. Tout simplement. J'ai trouvé que le stream release day du 15 mars était génial. Je me suis régalé avec vous. J'espère que vous vous êtes régalé aussi. Et on va garder ce format-là. C'est-à-dire que à chaque fois que j'ai une sortie de musique, sortie originale, non pas de remix, hein, bien sûr, comme par exemple le 10 mai prochain, on fera un stream spécial release day avec 2 heures d'écoute de son et enfin une session feedback à la dernière heure. Ça peut être très stylé. Donc ça, ce sera chaque release day. J'espère qu'il y aura des release day le plus longtemps que possible. Là, pour le coup, vous avez la prochaine qui sera le 10 mai. Et il y en aura une autre aussi à venir. Je ne sais pas quand encore, parce que la date n'a pas été choisie. Mais forcément, il y a un son qui a été signé avec Lithuania HQ encore il y a une ou deux semaines de ça. Donc il y aura une autre release day. Et voilà. Donc ça viendra quand ça viendra. Mais voilà, ce sera les formats un peu spécifiques. On peut dire ça comme ça. L'era des feedbacks, tu gères ça comment? C'est-à-dire, l'era des feedbacks. Et déjà, d'ores et déjà, moi je sais que je vais ignorer tous les messages du type « Ah, je passe quand? Ah, il y a combien de monde dans la queue? Ah, les gens qui disent « point d'exclamation feedback » et qui disent « tu peux écouter mon son », j'ignore complet. Hein. » Alors là, vous répondez si vous voulez, mais voilà, moi je parle avec des gens qui sont concernés par le stream. Les gens qui sont pas concernés, je les ghost. Hein. Et bonjour Glav, hein. J'espère que je t'ai dit bonjour, je sais plus, du coup. Je veux pas te ghoster, Glav. J'espère que tu vas bien, mon Glav. Donc, les rats des feedbacks, eh ben, on verra. Évidemment, il risque d'y en avoir. Ouais, je passe quand, le boss? Mais Glav, on se connaît à peine. Ça me fait chier. Autant, Time Out des Charmendo, des Whiteface, bon, ça va. Je commence à les connaître, ça me fait plaisir, tu vois. Glav, on vient à peine de se connaître. Voyons, restons sportifs, l'esprit sportif, l'esprit de l'Ovalie. Moi, je suis du Sud-Ouest, l'esprit de l'Ovalie, quand même. Eh, on va se rentrer dedans, mais quand même, avant, on se serrait la pince. Et on va boire une binouze. ça va bien. Bon, tant mieux. Tu aurais dû voir, j'ai off-chain vendredi. Oui, t'es passé après moi. Et moi, j'étais déjà plus là, je crois. Qu'est-ce que je faisais en plus vendredi à côté? Je sais plus. J'étais sur ma track, je crois, en plus, hein, en train de faire les modifs directs. J'étais chaud patate vendredi. Oh là là! Bah tiens, avant de commencer, faut que je vous fasse écouter. Hein. Faut que je vous fasse écouter parce que je peux pas garder les choses secrètes, je sais pas faire. Et il faut que je vous fasse écouter ce que j'ai commencé vendredi. Parce que ce que j'ai commencé vendredi, c'est quasi fini déjà. Je n'ose plus, c'est terminé. Alors, pour ceux qui étaient là au stream de vendredi, vous allez donc découvrir la suite du projet qui a été commencé. Donc sur les streams du vendredi qui sont les streams 100% musique, à l'écoute, bien sûr, ou la première heure de stream à partir de 15h, donc de 15 à 16, on écoute de la musique, n'importe laquelle. De 16 à 17, je fais un petit peu de prod, voilà. Et de 17 à 18, il y a une session feedback. Donc, de 16 à 17, ce vendredi, on a commencé quelque chose. Comme d'habitude, on a fait de la prod, et là, j'avais commencé un projet spécifique. Je dis spécifique parce que c'est une idée qui a germé dans ma tête pendant le subathon de Klein. Je vous explique. Pour remettre le contexte de ça, et après on va l'écouter. Vous inquiétez pas, c'est intéressant. Donc, pendant le subathon de Klein, pour ceux qui étaient là, il a fait une tier liste des VST natifs de FL Studio. Et sorti de cette liste, le mini synth. Pour ceux qui sont sur FL, vous connaissez le mini synth? Même moi, je ne connaissais pas le mini synth. Il est tombé sur ce mini synth, il a écouté 2-3 presets, et il y a un preset qui faisait penser à une musique incroyable que tout le monde connaît parce qu'elle est dans le projet là. Et il a joué 2-3 notes, et la sonorité était incroyable, j'ai fait « Waouh, mais c'est trop bien !» Et dans ma tête, j'ai fait « Attends, mais ce truc-là, dans mon style actuel, ça peut être banger. » Donc j'ai gardé cette mélodie-là, mais j'ai pas gardé que cette mélodie-là, c'est-à-dire que dans le projet que j'ai commencé, j'ai pris une voix très connue. Une voix dont le titre de la musique s'appelle « La 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 ». Mesdames et messieurs, je suis hyper heureux de ce projet. Parce que, alors, en termes de droit, ça va être compliqué, mais
pas si compliqué que ça, parce que Lituanie HQ ont déjà sorti des musiques, alors pas reprises, mais un petit peu mash-up, si on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de mash-up, mais un mash-up recomposé. Je sais pas comment on peut qualifier ça, pour le coup, parce que la mélodie vient d'une musique A, la voix vient d'une musique B qui a été cover, et tout le reste de la prod, c'est Colbain, tu vois. Donc, ça donne un truc de fou. Par exemple, dernièrement, Lituanie HQ, ils ont sorti une prod où la voix, c'était Man Eater de Nelly Furtado, et la mélodie, c'était Satisfaction de Benny Benassi, tu vois. Et ça donne un truc de ouf. Et ça fait des originaux. Là, par exemple, la track s'appelle donc Axel F, La La La. La La La, qui est donc une cover de Naughty Boy et Sam Smith, pour ceux qui connaissent. Voilà. Bonsoir à tous ceux qui arrivent, en tout cas, hein, bien sûr. Bonsoir, Confiture. Minisynth, en termes de CPU, c'est sous-côté. Non, mais il y a des trucs de fou, hein. Il y a des trucs de fou. Bonsoir, Confiture. J'espère que tu vas bien. Bonsoir, Melodex aussi. J'espère que vous êtes en forme. Donc, avant qu'on démarre cette session feedback, qui se terminera... Et Ed Clem aussi. Bonsoir, pardon. Pardon, Ed Clem. Hein. C'est un remake de façon grossière. C'est... Je sais pas comment on peut le qualifier, Ed Clem. Hein. Un mash-up. Mash-up original. Je sais pas. Bref. Donc, tout a été recomposé. Et ça donne un truc de malade mental. Vous connaissez peut-être mon style, hein, actuellement. Si vous ne le connaissez pas, mon style actuel... Rendez-vous sur Spotify, vous allez écouter Lights Go Out, mon dernier son sorti. C'est le début d'un nouvel arc, d'une nouvelle ère pour Colbain, qui démarre quelque chose de grand, je l'espère. Voilà, avec plein de choses à faire. C'est DJ Zebra qui a popularisé ça de fou. Les mash-ups, oui. Mais les mash-ups, c'est une chose. Mais là, c'est un mash-up recomposé, en quelque sorte, Confiture. Donc, je sais pas comment on peut qualifier ça. Bref, ça se fait de plus en plus. De prendre plusieurs choses de plusieurs musiques, de les assembler dans un truc et d'en faire une compo, évidemment. Donc tout ce qui est pas original, c'est tout ce qui est pas original, oui, c'est la mélodie et la voix. Tout le reste, c'est de la composition de Colbain. D'accord. Mesdames et messieurs, j'ai beaucoup trop parlé. Il faut que vous écoutiez ça. Ed Clem, tu sais quoi? J'ai fini la compo, j'ai fait. Ok, je vais faire un extended très vite et te l'envoyer parce que je suis sûr que tu vas vouloir le jouer. Allez, attends, on va commencer. Après, on commence la session feedback, mais d'abord, c'est vous qui me donnez un feedback. Ok, c'est parti. Zinzin. C'est une idée de zinzin de fou malade. Alors Spinning, non, j'ai pas le niveau pour Spinning, Ed Clem. Mais Lituania, oui, demain. Demain, ça part. C'est une idée de zinzin, hein, de fifoulin. Et je sais que beaucoup, quand j'ai commencé la prod vendredi, m'ont dit, ok, l'idée, ça sent Blue Balls. Mais vous avez vu? Vous avez vu?
Oh putain, je suis trop content. Franchement, voilà. Il y a encore du travail dessus s'il faut en termes de mix ou je sais pas quoi. Mais je veux que ça, ce soit sur mon Spotify. Il y a pas de monde où c'est pas sur mon Spotify. Voilà, c'est tout. Point. J'ai juste trouvé le premier vocal un peu trop dry au tout début, mais là, c'est cool. Ouais, il y a encore petit, il faut un petit peu de travail de mix, hein. Évidemment, Mordan, il va y avoir droit mardi. Et après, ça part, hein. Lituania, let's go. Hein. On envahit, hein, la Lituanie, c'est bon, ça. Ouais. Il y a juste un truc, je trouve, le truc Eurodance gâté sur le premier drop, il tire un peu l'énergie vers le bas. Eurodance, j'arrive pas à y aller, j'abandonne. Le truc Eurodance gâté sur le premier drop. Ouais, j'avoue que je comprends pas le terme de gâté. Manque un peu de sub, c'est possible. Ah, gaieté. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bah la mélodie, quoi. Non, mais il y a encore un petit peu de travail, hein, j'en suis conscient. Hein. Je note tout ce que vous dites, hein, évidemment, bien sûr. Je vais écrire des romans à force. Banger, mais peut-être vite fait, lent à 2-3 BPM. Non, ça va en termes de BPM, je suis à 144, je crois, c'est pas mal, là. Ouais. Ouais. Avec gate, coupé. Le truc secondaire qui fait qu'une note. Ouais, c'est, ça fait partie de la mélodie, je crois. Je pense qu'on parle de la même chose. Ouais, c'est ça. Hein. Bah, j'ai essayé de trouver des idées pour le faire varier, ce truc-là, mais bon, pas trouvé. Faut taper dans les 150 BPM. Ouais, non, c'est trop, 150. Non, j'aime bien, c'est ma méta en ce moment. En ce moment, c'est 644 ou 647. j'en ai pas d'autres. Des fois 145 aussi. Tant pis. Ah. Ok. Bah, je reverrai avec en réécoutant le son pour voir où c'est que c'est. Bref, en attendant, maintenant, on passe à la réelle session feedback, les amis. Donc, vous m'envoyez autant de sons que vous voulez. Si vous avez envie de couper la file d'attente, de skip the queue, vous faites un sub. Les sub gifs, ça marche aussi. Et voilà, vous m'envoyez tout ce que vous voulez tant que c'est unreleased et que c'est en cours de travail. Voilà, que ce soit même en termes de démo, comme vous voulez, tant que vous avez besoin de feedback et que vous pouvez retravailler surtout. Et là, on ouvre le bal avec Whiteface, la face blanche. Remix. D'accord, c'est un remix de quoi? Là, il faut qu'on ait le contexte. J'espère qu'on a le contexte ici. Quelque chose de différent de d'habitude. Mais là, le truc, c'est que plus j'avance, plus j'ai l'impression de me remettre en question. J'ai l'impression que c'est une bonne idée à continuer. Et en même temps, je suis perplexe. D'accord, je connais ce sentiment. Je n'attends pas de stade de ce remix, mais je kiffe la vibe acid techno psytrance. Ok? J'ai fait que le premier drop, car je ne veux pas reproduire la même erreur que le dernier son, trop chargé. Ok? Sur ce style-là, je préfère le côté linéaire qu'il apporte, question de goût. Et le mix, je galère, MDR des conseils. Bon, alors, conseil de mix, et surtout au niveau de l'idée. D'accord. Ça va demander une réécoute, pour le coup. À 3 BPM près. C'est bien niveau PPM, je trouve. Poire per minute. Non, moi, je trouve que c'est bien aussi niveau BPM. Bon, après, c'est très subjectif, les BPM, au final, hein. C'est pas représentatif de ce que je fais, je préviens MDR parce que c'est caca un peu. Oui, d'accord, c'est pas représentatif, mais bon, ça peut le devenir, peut-être, on sait jamais. J'ai un truc que j'ai fait en deux spi hier soir, c'est pas fini, mais j'envoie ça. Allez-y, hein, faites-vous plaisir, hein, point d'exclamation feedback, hein. Sinon, vous avez le message épinglé, bien sûr, qui vous explique comment ça fonctionne. Pas bien compliqué. Je pose pas autant de questions, hein. Oui, ben, peut-être qu'il faudrait. Ça dépend des projets. C'est vrai qu'il y a des projets, quand on les commence et qu'on les finit d'un coup, ben, comme celui que je vous ai fait écouter, là, on se pose pas trop de questions. Mais c'est vrai qu'il y a des projets, tu les travailles, et t'as pas forcément la méga hype dessus, tu sais. Et donc, forcément, plus tu travailles et plus tu t'amènes à poser des questions. Ok, moi, déjà, j'ai pas la hype. Alors, est-ce que ce projet vaut le coup? Et bien souvent, non. Mais par moments, on peut être surpris. Par exemple, on compose des trucs où on n'est pas forcément emballé par notre travail, et tu sais pas pourquoi. Ça pète, tu vois. Voilà. Bon, il n'y a pas de secret. La musique, c'est très subjectif et c'est une question de goût. Mais voilà, avant tout, il faut que quand même le projet nous plaise un minimum. Ok, donc on va découvrir remix. Remix de qui, du coup, il nous a pas dit. C'est un remix de qui, de quoi, Whiteface? Peut-être que j'ai une... Je connais l'original, comme ça, je peux voir si le travail est cohérent. Parce que faire de remix, c'est bien aussi, mais attention, pensez à la cohérence dans vos remix, hein. C'est bien de faire un remix, mais il faut avant tout respecter la musique de base, quand même un minimum. D'accord? Voilà. Donc, la méta remix, c'est bien, mais attention, faites vraiment des remix que vous connaissez, de musique que vous connaissez un minimum. Alors, remix de Libera Ave Verum,
Une chorale. Ok. Ouf. Ah ouais, t'as été le chercher loin, mais en même temps, il y a de la cohérence. Ça peut marcher. En acide psytrans, ok. Pourquoi pas. Bon, trêve de bavardage, on y va, on écoute ça. Et Zevardi. Ok, bon, tu dis c'est pas représentatif de ton style, mais en vrai, on n'est pas très très éloigné non plus. Hein. On reste dans l'univers Whiteface, j'arrive à te reconnaître dans le son, hein, malgré que c'est un test de pseudo nouveau style ou pseudo nouvelles ambiances. Je te cache pas qu'il n'y a pas l'effet waouh. Alors qu'est-ce que l'effet waouh dans un son? C'est très simple. On écoute le son, le drop arrive et là tu fais waouh, tu vois. C'est l'effet waouh, ça veut dire que le son... et Kali, tout simplement. Le son est banger. Alors, on peut pas faire que des bangers, j'en suis conscient. Mais essayons d'en faire un maximum. Donc là, pour le coup, l'effet waouh, il est pas bon. Il y est pas. On a toujours ce problème avec toi, Whiteface, aussi, de différence de volume entre le refrain et la partie pré-refrain. Et ça se voit typiquement à la waveform, mais ça s'entend aussi. On manque d'effet waouh pour deux choses, selon moi. Parce que, un, tu manques de patate au drop. Et là, je ne sais pas si tu fais la petite technique d'ingé son de baisser un petit peu le volume du master juste avant le drop et de remonter au drop. Je ne sais pas si tu le fais, mais tu devrais le faire. Déjà. Et revoir aussi tout ce qui est ta façon de faire ton gain staging et leveling à la fin par rapport à tous tes éléments. Peut-être qu'il y a un problème de... template, pas template, mais d'organisation dans, dans tes projets Whiteface, qui fait qu'on arrive à ce résultat-là. Peut-être qu'il faudrait que tu revoies ton workflow. Voilà, je trouve le terme. Peut-être qu'il y a un problème de workflow Whiteface qui fait que tu arrives toujours à ce résultat. Et cette erreur, pour le coup, que ton refrain sonne toujours moins fort que tes parties avant. J'ai pas encore fait, en général, je le fais quand c'est fini. D'accord. Ok, fais-le le plus rapidement possible, en fait, Wait. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est la première chose qui fait que l'effet wow n'est pas là. Il y a trois choses, pardon. Il y a trois choses. Donc ça, c'était une des premières. La deuxième chose, c'est ça. Ça ne sert à rien. Ça te fait chuter la tension à mort. Et du coup, le drop arrive et on n'a pas la sensation que c'est un drop. Du coup, on est là, on fait « Ah, c'est un drop. » D'accord.
Par contre, à contrario, si tu fais ça... c'est 10 fois mieux. Voilà, on est déjà un peu meilleur, tu vois. Donc ça, ça dégage, littéralement. Mais vraiment, ça, ça te fait chuter la tension d'une force. Et c'est pas le but. On est sur un pré-refrain, donc on est sur une montée progressive qui va stopper un petit moment avec le 1-1-1 pour être au top après, tu vois. D'ailleurs, cette transition, à revoir. Pour que l'effet waouh soit accentué, cette transition, il va te manquer soit un fills, ou soit un reverse kick, ou un mini, comme ça. Quelque chose qui va faire, qui va marquer la transition. I want run, tu vois. I want run, parce que là, on a I want, bon. Tandis que si tu fais I want run, tu vois, c'est quoi à dire, mais ça marche beaucoup mieux, tu vois. Donc ça, ça dégage, et on arrive directement ici, hein. Ok, on refait le test. Voilà, peut-être un poil trop de tension ici, hein, aussi. Attention à ta tension ici, qui est peut-être un poil forte aussi. Comment gérer la tension dans les build-up? C'est très simple. Faire des cuts progressifs de toutes les fréquences basses. Parce que la tension se joue beaucoup dans les basses fréquences. Donc là, si tu cuts progressivement tes basses fréquences, tu vas beaucoup mieux avoir cet effet waouh. Ton effet waouh sera bien meilleur, beaucoup mieux, ça veut rien dire. Ton effet waouh sera bien meilleur, tu vois. Donc, cut progressivement toutes ces basses fréquences. Fais des, je sais pas moi, des automations de reverb qui fait comme avec le Endless Smile. Bon, voilà, démerde-toi, tu vois ce que je veux dire. Et ton effet waouh sera bien meilleur, déjà, en ce sens-là. Donc, voilà le gros problème pour moi dans cette première ébauche de prod. C'est que l'effet waouh est mal maîtrisé, mal amené. Troisième point qui fait que le drop est passé waouh. Et ben, c'est en termes de composition. Je sens l'effort de mettre des petites choses en fond pour amener de la dynamique, tout ça, naniana, pour amener de la variation plutôt que le kick et la basse en contretemps. D'accord. Mais c'est pas percussif, c'est pas pertinent, c'est pas Blastoise, tu vois. C'est... voilà. Si on peut faire une comparaison à la va-vite, on n'est pas sur du niveau Blastoise, là. Là, ça manque de cohérence. Il y a des trucs qui sont bien... il y a des trucs qui sont moins bien, il y a des trucs qui sont trop là, par exemple. Il est trop là. Je veux pas faire du Blastoise. C'est pour te dire une comparaison. C'est pour que tu aies l'idée. Tu vois, je te disais, Whiteface, que Blastoise, tu peux le prendre en référence dans le calibrage. C'est calibré à la perfection, ce qu'il met en fond, tu vois. J'ai pas dit qu'il faut que tu fasses du Blastoise là. Je dis juste qu'en termes de calibrage, on n'est pas bon. L'écriture n'est pas très très bonne, tu vois. Il y a des trucs qui sont bien, il y a des trucs qui sont pas ouf. C'est très linéaire. Il y a des trucs trop répétitifs comme ce que je viens de te faire écouter. Bref, il faut trouver une meilleure formule. Mais ça va venir, c'est normal Whiteface, parce que tu es encore dans cette phase maintenant de calibrage à fond de ta musique. Hein. Tu es dans le less is more comme c'est pas permis. Donc forcément, tu n'as pas encore trouvé ta recette, tu n'as pas encore trouvé ta formule, tu n'as pas encore trouvé ta signature. Mais... ça va venir avec du travail. Il faut surtout pas se démoraliser par rapport à ce que je dis. Est-ce que améliorer le groove de la basse, ça pourrait être un petit peu, un petit plus aussi pour casser la linéralité merde, je suis pas bon en beatbox, mais d'avoir toujours une basse en contretemps, peut-être. Être des petits glitchs, des petits synthés acides. Pour le coup, je vois marqué acide techno. Je sais pas où c'est, quel est l'acide, mais voilà, il va manquer tout cette... peut-être des trucs acides. Là, c'est à toi de voir en fonction de tes goûts et ce que t'as envie de raconter, quoi. Et c'est vrai que l'effet waouh, du coup, n'est pas bon dans sa composition aussi, mais par rapport au fait que la progression est très très lente et trop lente. Tu as vu où c'est qu'on en est? On est à 2 minutes 21. 2 minutes 21 à la fin du premier drop. C'est trop. C'est beaucoup trop. Beaucoup trop. Là, pour ce genre de prod, c'est beaucoup trop. C'est un remix, faut qu'on aille vite. Faut aller vite à l'essentiel. Un remix qui veut... un DJ qui veut jouer ça, on a Clem dans le chat, il peut confirmer. On va aller vite au truc, tu vois. On n'a rien à foutre de tout ce qui se raconte. On veut aller vite au truc. Il faut que ça aille vite. Ça se joue, tu vois, c'est...
On y va, à fond. Donc là, il va falloir faire quelque chose au niveau de la compo aussi. Et de l'arrangement pour réduire ce temps-là. Parce que tu vois, yes. Termine à 1.11, 1.10. La vache. Et il n'y a pas l'intro hein, qui va avant, hein, en plus. Il n'y a pas l'intro qui va avant. Ça fait beaucoup. Moi, je te conseillerais de vraiment clac, calibrer le truc. Hein. Ah ouais, l'intro trop longue, tu perds l'attention des gens. Mais clairement, le hook, il est pas bon là, tu vois. Si on peut parler de hook, le hook est pas bon. J'ai envie de te dire, il faut que le hook, il soit hyper rapide ici, sur le premier break. Premier break et build-up, parce que le drop est linéaire. Donc, si t'as un truc linéaire et progressif et lent ici, si t'as un drop linéaire, bah, on se fait chier. Littéralement, on arrive au moment où on se fait chier. Fondamentalement, et là, tu perds les gens, concrètement. Et salut à elle, salut PTM, j'espère que vous allez bien les mecs. Voilà, donc attention à la gestion du hook, c'est important. C'est important le hook. Yes. Astrix, Astrix remix comme ref, puis j'ai abandonné sur la partie progressive au départ. D'accord, bon, c'est pas la peine d'aller me balancer une ref, j'irai pas l'écouter. Moi, je me concentre avec ça, avec ce que j'ai. Voilà. Donc, en termes de d'idées et en termes de potentiel par rapport au remix, ce n'est qu'un remix. Donc en soi, il n'y a pas à forcer plus que ça. D'accord ? Si tu galères de trop, faut passer à autre chose. Ok ? Ce n'est qu'un remix. C'est pas... Les remix peuvent vous faire décoller si ce sont des remix intelligents. Dans le sens où vous allez prendre des musiques très ciblées, très à la mode, qui fait que, bah, comme moi j'ai fait avec Soul King l'année dernière, là c'est intelligent et il faut y consacrer du temps, tu vois. Là, c'est une musique que personne connaît, tu vois. S'il y en a qui connaissent, tant mieux pour vous. Mais j'ai envie de dire, en termes de grand public, c'est pas le plus populaire. C'est pas ce qui est très recherché Whiteface, tu vois. Donc en soi, t'as pas besoin de forcer beaucoup pour sortir un remix. Si tu sens qu'il y a énormément trop de travail à faire et que t'es pas dedans, passe à la suite, crois-moi mon gars, tu n'en sortiras que grandi. Hein, ça fera partie des échecs, mais les échecs font partie de la vie. C'est en se trompant qu'on apprend, ok? Donc, ouais, tu vises pas les stats, en plus c'est ça. Tu vises pas les stats, donc quel est l'intérêt Whiteface? Et là, c'est une question que je te pose totalement sincèrement, il faut que tu me répondes le plus sincèrement possible. Si vous visez pas la gloire, quel est l'intérêt de y investir un temps conséquent, faramineux, de se prendre la tête énormément? Et c'est valable pour toutes les choses de la vie. Si vous attendez pas grand-chose d'une situation ou de quelqu'un, à quoi ça sert d'y consacrer tout son temps? La passion, on va au-delà de la passion, Whiteface. On est au-delà de la passion maintenant, Whiteface. Tu veux vivre de ta musique. On n'en parle plus de passion avec toi. Il y a la passion, d'accord, c'est bien de faire les choses par passion. Toujours, il faut garder la passion. Mais à un moment donné, il faut réfléchir. Il faut réfléchir à faire les choses bien pour avancer et ne pas avoir un mois de mars à ne rien faire. Tu vois ce que je veux dire, Whiteface? Attention, je suis pas là pour te casser, je suis là pour t'aider, Whiteface, tu le sais. Hein? Donc, ma foi, il faut réfléchir. Et je peux t'assurer à 110 000%, Whiteface, que de t'investir beaucoup trop dans ce genre de musique, d'autant plus que tu n'attends pas de stats, c'est du temps de perdu, c'est du mental de gaspillé, de bousillé, qui fait que, certes, peut-être tu vas investir un temps de malade, tu vas y passer tout ton mois de mai à faire ce putain de remix, tu vas sortir de là, tu seras épuisé, tu n'auras plus d'inspi. Donc là, c'est toi qui vois. Tu ne suis pas mes conseils, tu refais un mois de mai à travailler ce remix, et au mois de juin, tu fais peanuts, comme le mois de mars, ou alors, peut-être tu passes directement à autre chose. Ça, c'est toi qui vois. À moins que tu vas essayer de retravailler un petit peu le truc. Hein. Attention, je ne dis pas qu'il faut passer de suite maintenant à autre chose. Mais regarde ta description. Tout est clair. Hein. Plus j'avance, plus j'ai l'impression de me remettre en question. Ben non, parce que là, tu perds la confiance, Whiteface. Et la confiance en tant qu'artiste, c'est primordial. Si vous n'avez pas la confiance dans votre musique, eh bien, vous serez toujours dans l'état « je manque d'inspi, j'arrive pas à prod ». La confiance, c'est que c'est con, c'est comme dans la vie, hein, voilà. Si vous n'avez pas confiance, c'est difficile d'avancer, tu vois. T'as pas confiance en toi, ben, c'est difficile d'aller dehors pour faire des démarches, pour aller faire des courses, ne serait-ce, ce genre de choses. Dans la musique, c'est pareil, t'as pas confiance dans ta musique, c'est difficile de créer quelque chose de correct et de bon, tu vois. Ah bah oui, veut en vivre, Confiture. Oui, oui, je te le dis. Oui, oui. Ah bah clairement, on est sur des ambitions très hautes avec Whiteface. Hein. C'est en vivre, jouer à Tomorrowland et ce genre de choses. Donc là, pour le coup,
Moi, je te dis les termes. Le potentiel, dans un remix que personne connaît, ouais, t'attends pas de stats, t'en auras pas forcément peut-être, je sais pas. Hein, je te souhaite d'en avoir le plus que possible, évidemment. Donc, quel est l'intérêt de s'y investir à 110 000%? Bah, pour moi, il y en a aucun. Tu vois? Voilà, c'est tout. Lis bien la point d'exclamation feedback ou lis le message épinglé, PTM. Tomorrowland, c'est un rêve. D'accord. Est-ce que pour autant, ça peut pas être envisageable? Alors, Whiteface, je ne cesserai de le répéter, soyez cohérents dans vos propos, s'il vous plaît, les amis. Whiteface, tu ne peux pas commencer l'année en te disant « je veux tout donner pour mon projet artistique et atteindre de grandes choses en fin d'année ». Tu ne peux pas avoir ce discours et te dire « ouais, non, mais en fait, c'est que des rêves ». Stop. Soyons cohérents. Hein ? Tu ne peux pas être en mode « oui, je suis à fond, et le lendemain, ouais, ben on verra ». Eh non. Ah non, non, non. Cohérence, t'avais des objectifs hauts cette année, Whiteface, tu les as déjà ratés. Donc, écoute, est-ce que t'as revu tes objectifs d'ici là? Bah, peut-être, ça tu me l'as pas dit. Si t'as revu tes objectifs, ok, je vais être beaucoup moins sévère avec toi. Mais là, pour le coup, oui, j'ai un discours assez sévère avec toi, mais c'est une réalité. C'est parce que tes objectifs sont hauts. Parce que je me souviens très bien qu'un Whiteface, en fin d'année dernière, quand on fait le Spotify Wrapped, il dit, ok, moi, j'ai des stats, elles sont pas ouf cette année, parce que je viens de démarrer, mais je vais essayer de les doubler, voire même les tripler, en 2023, en 2024. Eh, pas moi qui l'ai dit, hein. Je suis pas ton père, hein. Voilà. Si ça fait du contenu, autant ne pas perdre trop de temps dessus. Exactement, voilà. Si on a zéro attente envers notre son, pourquoi y investir du temps? C'est du temps perdu. Et le temps perdu, bah, c'est perdu, hein. Faut pas rattraper le temps perdu, hein. J'y vais, je vais en Allemagne, vas-y, à plus, hein, et pense à faire ma promo parce que je marche bien en Allemagne. Merci, bisous, Melodex. Peut-être des objectifs trop? Non, pas trop. L'objectif de 2024 pour Whiteface, c'était simple, c'était de sortir une musique par mois, remix compris. Bon, malheureusement, il a fail parce qu'il a eu un mois compliqué, personnellement, au mois de mars. D'accord. Ça n'empêche pas qu'il ne faut pas se laisser aller. Attention, c'est pas parce que les objectifs sont pas atteints qu'il faut se laisser aller. Au contraire, il faut travailler deux fois plus dans ces cas-là. Et deux fois plus intelligent. Quelqu'un qui va réussir dans le monde de la musique, c'est quelqu'un d'intelligent. Qui a trouvé les ficelles pour réussir, tu vois. C'est pas... Réussir en soi avec sa musique, ça suffit plus aujourd'hui. Regardez le nombre de concurrents qu'il y a dans le monde. Il faut être intelligent et faire les choses intelligemment, tu vois. Il faut aller deux fois plus vite que tout le monde. D'autant plus dans notre époque, tu vois. Donc, le temps que tu vas perdre à bosser ce remix-là, tes concurrents, ils ont déjà sorti des tracks, tu vois. Et ouais, ça fait partie de la vie, tu vois. J'en ai raté un, c'est le son par mois. Toi-même, tu sais, le mois de merde que j'ai passé. Oui, non, mais ça, je sais. Ça fait partie des impondérables de la vie qu'on peut pas maîtriser. Malheureusement, on en aura toujours. J'étais sûrement pas prêt. Le reste, c'est encore faisable. Oui, bah, ça, c'est comme je t'ai dit. De toute façon, c'est un objectif que tu peux repousser à l'année prochaine. Mais en attendant, il faut pas rester en 2024 sans rien faire. Il faut faire des choses. Et faire ça, bon, voilà, ok, c'est sympa, mais ça demande énormément de travail encore. Donc, est-ce que t'as l'intérêt de le faire sachant que t'as pas trop de hype sur ton projet? Non, tu vas perdre la confiance. Et c'est pas bon. C'est pas bon de perdre la confiance. Vraiment pas. Après, augmenter ses stats, c'est pas vraiment un objectif tangible. Mieux vaut se fixer de réaliser des choses qui permettent d'amener mécaniquement à ça. Ouais, ben c'est ce qu'il a fait, Confiture. Il s'est dit, moi, je veux augmenter mes stats, et ben je vais faire une release par mois. Tu vois? C'était la finalité du truc. Autant t'as fait plusieurs sons par mois, puis vers la fin, voir lequel tu perfectionnes, parce que à l'oreille, il marche mieux. Ouais, mais Whiteface, le problème, c'est qu'il est encore en recherche d'identité. Là, tu vois? C'est-à-dire que là, il est dans un style très précis, dans un chemin, mais l'identité n'est pas encore assurée, tu vois. La signature n'est pas encore très présente, elle commence à s'affiner, mais il y a encore cette recherche de marque. Et du moment que tu as trouvé ta marque et ta façon de faire, croyez-moi les amis, ça va beaucoup plus vite. Hein. Du moment que tu as tes trucs, ça va beaucoup plus vite. Ça fait que, moi, regardez, le son que je vous ai fait écouter tout à l'heure, c'est une après-midi de travail, hein, même pas. C'est pour dire. Hein. Donc, on est encore dans ce truc-là. C'est pour ça que, pour moi, ça fait partie d'un essai, ça, tu vois. D'un essai qui va te forger ton futur. Mais l'essai qui n'est pas concluant, je trouve ça beaucoup plus intéressant qu'un essai qui va être acharné et qui ne servira à rien, au final. Et ça, encore une fois, c'est d'expérience, Whiteface, que je te le dis. Parce que quand j'ai eu ma période Melbourne Bounce, j'en ai travaillé des sons. J'en ai travaillé, putain, des sons, hein. Ah oui, il y en a, j'en ai mis des heures, hein. Pour quel résultat, au final? Rien, nada.
J'ai perdu du temps. Pendant ce temps-là, j'ai loupé toute la vague Future Bounce. J'ai pris un train de retard monumental quand j'ai voulu m'y mettre. C'était déjà fini, tu vois. Donc, attention à ça. Voilà. Ma track mois prochain est déjà prête. Ben, c'est cool, ça. Envoyé à des labels et au pire, nique sa merde. Je self-release. J'aime pas le nique sa mère, je self-release. Franchement, je l'aime pas. Que ce soit pour moi ou pour vous, hein, le nique sa mère, je self-release, quand on a des objectifs hauts, je trouve ça dommage. Le nique sa mère, je self-release. Pourquoi nique sa mère, je self-release, Whiteface? Pour qui, plutôt? Pour personne. Juste pour ton propre ego personnel de te dire j'ai sorti une track. Mais le problème, c'est que cette track-là, eh ben regarde, des nique sa mère, je self-release. Prends mon Spotify. Prends mon Spotify, des nique sa mère, je self-release. Et ouais, moi aussi j'ai fait le nique sa mère, je self-release. Hein. Et regarde, est-ce qu'il vaut mieux, pas mieux passer une année blanche plutôt que d'avoir des tracks qui sortent, des nique sa mère, je self-release, et qui a même pas 1000 streams? Nique sa mère, je self-release. Nique sa mère, je self-release. Bouge pas. Il y en a eu une même l'année dernière. Nique sa mère, je self-release. Ça a quoi? Ça a rien. Personne va tomber dessus. La vérité, personne va tomber dessus. D'accord? Donc ça ne sert à rien. Mettre des projets, nique sa mère, je self-release, ok. Mais quand t'as les moyens de le faire, quand t'as déjà des auditeurs, là, pour le coup, ça servira à rien. Ça servira que d'alimenter un réseau qui n'est suivi de personne, de presque personne. Alors, tu serais dans un mood où la musique n'est absolument pas un objectif de vie comme Titrou Mignon, je te dirais vas-y go. Mais là, non, ça ne servira à rien. Si tu fais trop, tu peux te perdre aussi. Oui, ça peut arriver aussi, ouais. En fait, il faut vraiment farm avant de bien sentir. Oui, ah oui, faut farm, mais à une certaine limite aussi. Si tu as réussi du premier coup, c'est soit que tu es trop fort, soit que t'as de la chance ou que t'as rien appris. Oui, mais c'est énormément de chance, je pense. Si tu réussis du premier coup, ou alors énormément de talent, mais j'y crois pas trop. Y a pas juste des labels qui font que tu vas être dans le succès du jour au lendemain. Je te conseille plus de sortir toi-même en premier et peut-être qu'un label va t'approcher. Je pense tout l'inverse, Sandmine. Sandmine, je te suis de loin. La vérité, il vaut mieux avoir un label qui te permet de faire une... Eh ben, exemple typique. Regardez. Dans mes titres likés, mon label, Lituania HQ, ils ont sorti une track, là. Felipe Nova, Forget You. Regardez, c'est pas mieux de commencer comme ça? C'est littéralement sa première track, hein. Ever. C'est pas mieux de commencer comme ça, avec 1300? Quand même, toute première release, hein, elle est sortie vendredi. Hein. C'est quand même bien, moi je trouve. Parce que attendre que les gens viennent te chercher, c'est surtout jouer la chance. Alors la chance, bah tu peux attendre longtemps, tu peux attendre toute ta vie s'il faut. Hein. Tandis que là, regarde, ok, hein, peut-être le mec il a farm pendant longtemps. Hein. Mais regarde où c'est qu'il en est aujourd'hui, premier son, hein, première release. Hein. Alors voilà, lui il démarre très très bien, tu vois, pour le coup. Et ça c'est un bel exemple. Voilà. Le self-release, ça fournit du portfolio. Oui, mais... Voilà. Alors attendez, je suis désolé, hein, vous allez pas comprendre, hein, vous allez être contre moi, je suis sûr. Hein. Ouais, ça fournit du portfolio. Mais les labels, et là je parle pas de petits labels, je parle de gros labels, de type spinning, de type les majeurs, tout ça. Hein, ils vous signeront jamais si vous êtes à zéro. Hein, même moi, aujourd'hui, je peux vous dire, hein, même moi, là, je suis pas signable hein, dans les gros labels. Hein. Je suis très loin d'être signable hein, dans les gros labels. Ça, c'est rien. Hein. C'est que dalle aujourd'hui. Hein. Si t'as pas 6 chiffres en auditeur mensuel, et encore, c'est pas dit, t'es rien. T'es nada, t'es personne pour les gros labels. D'accord? Donc, un portfolio qui est conséquent, d'accord, mais s'il n'y a pas de stats, ben non, le label, il va dire non, rien à foutre. En fait, il est écouté de personne, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il y a 3 listens en 2 mois avec un label. Bah parce que t'as pas trouvé le bon label, Sandmine, c'est tout. J'ai l'impression que vous avez des labels H20TAC, donc soit je suis con, soit je fais de la merde. J'ai l'impression que vous avez des labels H24. Alors, développe ta pensée, Whiteface. On va prendre du temps ce soir, hein. Si vous êtes pas content, barrez-vous. Je le dis clairement cash, hein. Vraiment, pour tous ceux qui sont impatients de passer, soit vous faites un sub, ou soit vous prenez votre mal en patience, parce que le stream, de toute façon, il a pas de date de fin, hein. Il a pas d'heure de fin, il va durer le temps qui durera. Donc voilà, je préfère dire le message un peu cash comme ça ce soir.
plutôt que y ait des râleurs dans le chat déjà. Parce que là, je prends le temps vraiment de vous aider. C'est le but. Donc du coup, t'as l'impression que nous, on a des labels H24. Soit t'es con, ou soit tu fais de la merde. C'est-à-dire, tu penses que nous, parce que on... Enfin, nous. Je pense que tu penses pour moi, tu penses pour Klein, tu penses pour certains moteurs de cette communauté qui arrivent à sortir des sons et les signer rapidement. Tu penses que nous, on a beaucoup de labels. Des labels H24. Ça me fait peur parce que tu rentres dans la comparaison encore. Et attention, la comparaison. Attention à ça. D'accord, ok. Whiteface, encore une fois, je vais vous faire relativiser. Oui, d'accord, ok. Prenons encore une fois mon propre exemple. Parce qu'on est sur mon live et je fais ce que je veux. Prenons mon propre exemple. Ok, d'accord. D'accord, let's go out, Lithuania HQ, 24 000, ça marche. Don't stop, signant label, même pas les 1000 streams. Call my name, signant label, même pas les 1000 streams. I need that. Electronic Future, signant label, 31 000. Ok, turn it up, signant label, même pas 1000 streams. Bad Girl, label, 63 000. Rhythm, label, 127 000. Ça, self-release. Ça, signé label, même pas les 1000. Signé label, 10 000, etc. etc. Ok, il y a beaucoup de labels, Whiteface, d'accord, hein. Peut-être il y a une dizaine de sons qui sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Mais si on va aller sur Label Radar. Label Radar. Si vous ne connaissez pas Label Radar, point d'exclamation YouTube, vous avez une vidéo de ma part qui a été faite pour vous présenter le site, pour tous ceux qui cherchent des labels. On prend les notifications de Label Radar, et là je change de scène. Hein ? On a des labels H24 ? Regardez le nombre de refus ! Regardez le nombre de refus ! Refus Monster Cat, forcément je suis personne. Ça c'est shortlisté donc on s'en fout. Refus Magic Record. Refus. Non, ça c'est pas un refus, c'est un label de merde. Refus. 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 D'accord ? Il y en a des refus. Whiteface. Whiteface, ça fait partie de l'artiste. Des refus, t'en auras toujours. Peu importe la taille de ton projet artistique. Alors évidemment, si t'as un projet artistique conséquent, bon là, les majors, c'est plus facile. D'accord ? Mais des refus, ça fait partie. Ça fait partie du jeu. Même moi, j'ai des refus de fou. Pour te dire, Whiteface Bad Girl, qui a été signée chez Lithuania HQ. Elle a été refusée par tous les gros labels du site, hein, ici, à Label Radar. Mais ça n'a pas empêché de la signer quand même. D'accord ? Il y a beaucoup de refus, ça fait partie du jeu. C'est comme ça, c'est la vie. Oh oui, peut-être aujourd'hui, t'as beaucoup de refus, Whiteface. Et alors ? Ça veut dire que ton style n'est pas encore affiné. Ça veut dire que ton style, pour le moment, n'est pas au point. Mais ça va venir. Ça va venir. Vous voulez tout de suite, les jeunes. C'est con, hein. Ça va venir. Ah ouais, regroupe, hein, n'y allez pas. Hein. Regroupe Records, oubliez, hein, c'est de la merde. Oh, Dose, Confiture. Non, on dit pas qu'on fait de la merde. Attention. Je m'inscris en faux contre toi. Tu fais pas de la merde. Attention. Non, attention. Alors, comparaison futile, Whiteface, encore une fois. Whiteface, combien d'années que tu fais de la musique ? Vas-y, dis-nous. Combien d'années ? Moi, ça fait 11 ans, mec. Hein. Ça fait 11 ans que je charbonne. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre. J'ai eu très très peu de périodes où j'ai pas beaucoup composé. Les seules périodes de ma vie où j'ai peu composé, c'est en... Et encore 2022, je me suis... Ouais, 2022, 2021. C'est tout. C'est vraiment les deux années où j'ai très peu composé. Parce que j'étais, la vie me permettait pas beaucoup de composer comme il faut. Tu vois. Mais tout le reste de ma vie, eh ben, ça a été du charbonnage. Hein. Et à fond. Hein. Et je travaille, hein, littéralement. 4 ans, et sérieusement, je dirais un an. Ben voilà, 11 ans, mec. Klein, ça fait 4 ans, certes, qu'il fait de la musique. Mais putain, du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, tous les jours de sa vie ont été tournés vers faire de la musique. Tous les jours, putain. Whiteface. D'accord ? Mars dernier. T'es impatient, Whiteface. T'es impatient. Putain, on dirait hostile. Hostile, c'est pareil. Hostile, il venait. Je lui disais, ton style, il est pas au point. Il me disait, putain, j'en ai marre, je vais give up. Mais non, mais vous venez de démarrer, là. Bande de fous. Eh ben, forcément qu'une signature et un style, ça va pas se trouver du jour au lendemain. Forcément, c'est des années de travail. Regardez, il y a des artistes, ils mettent des années, une vie à percer. Quand même. Ah, t'es encore dans la comparaison. Whiteface, je vais t'engueuler, je vais venir te retrouver, te tirer les oreilles. Hein. Parce que de toute la communauté, t'es celui qui fait que ça, hein, se comparer. Hein. Vraiment, faut arrêter la comparaison. Il faut arrêter. C'est pas bon. Regarde ton mental, comment il en prend un coup à chaque fois.
Stop la comparaison. Compare-toi avec toi-même. Et tu verras, on s'en donne rendez-vous en novembre-décembre pour le Spotify Wrapped. Et là, tu pourras faire ta comparaison. Et putain, ça va te... je suis quasi sûr, ça te refoutra un boost au moral. Stop la comparaison futile. S'il te plaît, Whiteface, c'est vraiment pas bon. Voilà ce que ça amène, la comparaison futile. La comparaison futile, ça amène à faire quelque chose de différent d'habitude, mais le truc, c'est que j'avance pas, j'ai l'impression de me remettre en question, j'ai l'impression que c'est une bonne idée à continuer, et en même temps, je suis perplexe. Voilà ce que c'est la comparaison quotidienne. Et stop, faut arrêter. C'est pas parce que certains d'ici hein, ont des résultats de fou que toi, tu te dis, tu es à la traîne. Non, tu es à ton niveau, tu es à ton niveau de vie. Hein. Chacun a son parcours et sa propre histoire, d'accord ? Toi, elle commence à s'écrire. Moi, ça fait un moment qu'elle commence à s'écrire mon histoire. Donc, heureusement que j'ai des résultats aujourd'hui. Mais t'as vu, 11 ans, hein ? 11 ans d'attente pour avoir des résultats. Alors, je te dis pas que toi, tu vas mettre 11 ans à avoir des résultats. Attention, bien sûr que non, parce qu'avec les conseils que tu peux prendre à droite et à gauche, eh ben, tu vas gagner du temps. Mieux que moi, à l'époque, où j'avais personne qui me conseillait, tu vois ? Donc, voilà. Mais, advienne que pourra. Stop. Pour en revenir au feedback de ta track, voilà. Peut-être essayer une session, mais si t'as toujours ce putain de sentiment de je suis perplexe et j'arrive pas à avancer et je sais pas quoi faire, next, ok ? Next, tu vas travailler, tu reprends, ok, tu reprends tes influences, tu reprends tes sources d'inspi, tu recommences des références tracks, tout ça, machin, et vas-y, tu repars, bon pied, bon oeil. D'accord, wait ? Voilà. Je dis pas que le projet est à jeter. Évidemment, il faut tout garder. Je dis pas que le projet manque de potentiel. Je dis juste qu'il y a beaucoup de travail, mais si tu attends peu de stats, et d'autant plus tu as ce sentiment-là, pour moi, c'est direct, on met de côté et on passe à autre chose. Rien n'empêche que dans 6 mois, tu y retournes. Rien n'empêche. Voilà. Déjà, ne pas give up, c'est la sélection naturelle dans la jungle de la prod. Oui, et là, il faut aller voir une vidéo d'un YouTuber qui s'appelle Addison de Solonet, je crois, qui explique très bien cette truc, c'est que quand on commence, on est là, on commence, on évolue très très vite, 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 parce qu'on apprend plein de choses d'un coup, et d'un seul coup, boum, ça se casse la gueule. Et c'est là que les gens abandonnent, parce qu'on a perdu toute confiance en nous, parce que nos projets n'avancent plus, et parce qu'on a l'impression d'être bloqué. Et ça arrive à tout le monde, et c'est des phases. De toute façon, vous aurez toujours cette phase dans votre vie. Cette impression de se sentir bloqué. Et là, les gens abandonnent. Et il y a des gens qui savent se réinventer et repartent. Mais il y a des gens qui restent à ce point-là aussi, tu vois. Je sais déjà ce que j'aime faire, MDR. Je suis pas non plus parti en random. Je sais. Hop, on stock plate. Mais non, tu vas pas stock plate 3. Non, tu vas pas stock plate 3. Parce que tu vas continuer à travailler. Déjà vu. Bah oui, Lucas, tu l'as déjà vu. Et bonsoir à tous ceux qui viennent d'arriver. Excusez-moi, je vous ai pas salué, je suis en plein discours. Je débite, comme d'habitude. Voilà. Comment, Coco, comment ça va ? Coucou, Coco, comment ça va ? Ça va et toi, Hostile ? Ça va bien. Donc, pas de panique. Et vraiment, si t'as besoin de discuter avec des gens qui sont dans le même cas que toi, Whiteface, le voilà, Hostile, je l'ai cité tout à l'heure. Hostile qui était impatient aussi, qui nous a fait des comparaisons futiles, mais qui maintenant a retrouvé ses esprits. Et franchement, ça évolue. Ça évolue de fou avec Hostile, tu vois. Quand tu comprends où c'est que t'en es, tu sais comment avancer, tu sais quoi mettre en place pour avancer concrètement, tu vois. Voilà. Réellement, discutez-en entre vous deux, vous êtes au même point, entre guillemets, dans votre parcours perso, tu vois. Ne vous comparez pas, attention, pas de comparaison, mais surtout discutez de vos parcours, d'accord ? De vos états d'esprit, et croyez-moi que vous allez arriver. Hostile, en ce moment, il pète des dingueries avec des écouteurs, c'est incroyable, tu vois ? Il pète des dingueries avec des écouteurs. Alors, pourquoi tu n'y arriverais pas à le faire, toi ? Eh oui, bien sûr, tu vas y arriver, wait. Allez, force, faut continuer comme ça. Surtout, ne pas perdre cette... J'ai l'impression, wait, que tu perds très vite la confiance, et ça, c'est dommage. Et forcément, quand on n'a pas de résultats, je le comprends, la confiance, elle part très vite. Je le sais, je suis passé par là aussi. Les résultats n'étaient pas là, la confiance, elle se barrait entre deux prods, hein, littéralement, tu vois. Donc je sais que la confiance, c'est dur à garder. Mais t'inquiète pas, moi je te dis que tu vas bien, tu avances bien, il suffit de voir déjà ce que t'as sorti cette année, et il suffit de voir les résultats que t'as eus, hein, ton remix flop, là, qui n'a pas du tout floppé. Appuie-toi sur ça pour continuer à bâtir l'avenir. Mais ne t'acharne pas sur des projets sans ambition qui puisaient, qui demanderont trop de travail pour rien. D'accord ? Mettons les mauvais projets de côté le plus rapidement possible pour se concentrer sur le bon. Et garder cette confiance et garder l'allant pour aller devant, pour aller toujours plus loin, plus vite, plus fort. Tu vois ? Voilà. Je vais juste dire coucou, demain c'est reprise. Eh ben, bon stream, merci Codastra. Coucou à toi et bon courage pour la reprise.
Ça se casse la gueule souvent parce qu'il n'y a pas de stratégie mise en place. Eh ouais, ça en fait partie pour s'améliorer. Il n'est pas nécessaire dès le début. Ah non, dès le début, quand tu es en phase d'apprentissage, non, tu n'as pas de stratégie à mettre en place. Au contraire, il faut que tu apprennes. Donc là, c'est différent. Whiteface, on n'est plus sur la phase d'apprentissage, confiture littéralement. On est sur la phase de mise en place de stratégie. La stratégie, elle a été mise en place en début janvier. Il avait une hype incroyable. Il a passé un mois de janvier, Whiteface, pour vous faire un petit peu l'état du personnage. Je le connais très bien, évidemment, maintenant. Whiteface, en janvier, c'était l'état de grâce. Hein. Les objectifs étaient au taquet. Il commençait à les accomplir. Les tracks s'enchaînaient. Les projets étaient beaux. Et c'était magnifique à suivre, tu vois. Et d'un seul coup, il a perdu toute la confiance. Parce qu'il y a eu des choses dans sa vie. Bon, ok, c'est une chose. Il a enchaîné 2-3 projets un peu bancals, et la confiance, chut, bam, elle est partie. Whiteface a fait des track challenges en début d'année qui étaient incroyables, qui étaient très intéressants. Il y a eu une période là, je ne sais plus quand c'était, mais fin d'année dernière, début de cette année, qui était folle. On revient sur ces projets-là. Pour moi, tu as beaucoup plus à jouer sur ce genre de projet, quitte à les transformer en remix plutôt que ça, littéralement. Voilà. La bonne nouvelle du coup, c'est que ce n'est pas une fatalité, bien sûr, mais il faut apprendre à prendre du recul, ce qui est très très dur, et voir l'évolution que l'on a, où on en est. Et voilà, et c'est la chose la plus dure à faire en tant qu'artiste. Moi-même, aujourd'hui, j'ai encore du mal à prendre du recul sur notre propre travail. C'est très difficile, très difficile. C'est là que les feedbacks sont d'autant plus intéressants et importants, pour savoir prendre du recul sur notre propre travail. Quand j'envoie une track à feedback et qu'on me dit pas grand-chose, je sais que le projet est bon. Je sais que je peux continuer. Si on me fait un feedback long comme le bras, ok, je passe à autre chose. Direct, tu vois. Je le vois direct maintenant au feedback quand je vois si les gens ils ont la hype ou pas. Et s'il n'y a pas la hype, je le mets de côté, direct. Et cette année, des tracks, j'en ai mis de côté un bon paquet. Vous pouvez les retrouver sur Patreon d'ailleurs. Si vous souhaitez. Voilà. J'aime ces breaks, wesh. Mais bien sûr, mais les breaks de Whiteface sont bons. C'est les drops qui... Voilà. Il manque la magie des drops. Mais ça va venir, ça va venir. Ça va venir. Faut continuer. Voilà. Faut se bouger. Akitori, bel exemple. Hein. Akitori de se bouger, bel exemple. Regardez le temps qu'il a passé à faire son template. Maintenant, il est au taquet. S'il lâchait un petit peu son IA de merde, hein. Voilà. Je trouve ça plutôt facile de prendre du recul, surtout avec 13 ans de prod. Eh, c'est pas si facile que ça, petit trou mignon. Suffit de rouvrir ou réécouter une prod de 5 ans ou 10 ans de plus. Même... Ouais, non, mais alors attention. On parle pas de prendre du recul sur son travail d'il y a 5 ans. Mais prendre du recul sur l'instantané, petit trou mignon. C'est-à-dire, tu finis une track et de suite, tu prends du recul pour savoir s'il y a du potentiel ou pas. Là, c'est très dur, tu vois. J'ai pas le délire de yé-yé-yé, là. J'ai pas les délires du yé-yé-yé. Je vois yé-yé marqué depuis 3 jours, mais j'ai pas la... J'ai pas la ref. La méthodologie, c'est sous-côté. Ouais, le workflow, très important, ça aussi. Mais je suis le seul à pas poster mes musiques sur les plateformes. Bah non, t'es pas le seul, Drix. Clairement pas, t'es pas le seul. Mais Drix, attention, si je fais du cas personnel aussi, Drix, toi tu démarres. Donc toi t'es encore en phase d'apprentissage, pour le coup. Même si t'es pas loin de pouvoir démarrer un projet, hein, la vérité. Les IA, c'est fou. Ouais, dose. Eh, c'est plus difficile, effectivement. Ouais, c'est plus difficile. D'autant que, bah voilà, toi PTM, toi t'es dans l'état d'esprit complètement détaché par rapport à la musique, donc forcément, t'as pas trop d'attente de ton son. Quand t'as vraiment beaucoup d'attentes sur ta musique, et je dis pas la musique que t'es en train de composer, hein, je parle de toute ta musique en tant qu'artiste, pas facile, mais bon, c'est pas impossible, on y arrive quand même. En tout cas, Whiteface, n'hésite pas, si vous avez d'autres choses à m'envoyer, faites-le, hein. Ce soir c'est open bar, hein. On y va, hein. YOLO, hein. Voilà, je vois qu'il y a plein de monde qui sont au taquet, je récupère les derniers liens que j'ai pas eu, bah j'ai eu un coucou, bah coucou Glave. Alors, donc on a du Drix, anciennement Frouz. Voilà, j'étais là, j'allais dire, il y a du Frouz, mais non, c'est Drix, du coup. Ça marche. Récupère du AL. Alors, règle essentielle, soyez présent pendant votre passage. Il peut arriver que des musiques passent vite, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais assurez-vous d'être présent. Si vous n'êtes pas présent, malheureusement, je ne pourrais pas vous donner votre feedback parce que j'ai besoin de discuter avec vous. Vous avez vu, c'est important des fois. Il faut qu'on soit dans la discussion. Je sais que tu as eu des périodes difficiles, Wait. Je le sais très bien. C'est pour ça que ton mois de mars, j'en parle sans en parler. Ça fait partie des impondérables et ça, on ne peut pas le gérer. Les périodes difficiles. C'est pour ça qu'un retour en arrière récent, franchement, c'est pas une chose déconnante. La vérité, go retourner voir TTC de fin d'année dernière ou début d'année. La vérité, tu avais des trucs de fou. Je me demande aussi si j'ai pas commencé trop tôt. Ah non, jamais trop tôt. Ni trop tard pour commencer la musique. Je comptais commencer à poster mes tracks cet été, parce qu'on va m'ouvrir un compte.
Ma foi, pourquoi pas, hein. Comme je te dis, Drix, toi, t'en es vraiment pas loin, tu nous épates, hein. Un mec qui fait de la prod depuis 2 ans, t'as déjà une qualité de fou. Bref. Allez, on enchaîne du coup avec Charmendo. Alors, on a du Charmendo, du Nyxel, du Sandmind, du Etlem, et ensuite on passe à Confiture, Drix et les autres que j'ai cités tout à l'heure. Voilà. Charmendo, ça va aller vite. Normalement, avec Charmendo, ça va vite parce que le gars, il maîtrise son truc. On n'a rien à dire à chaque fois, le gars, il maîtrise tellement. Vous inquiétez pas, les gars, il n'y aura pas un feedback de 6 heures à chaque personne. Ça va aller vite. J'en ai une deuxième si t'as encore du temps. Non, c'est si tu as encore du temps. Charmendo, si tu as encore du temps, parce que là, pour le coup, il y en a presque une dizaine derrière toi. Évidemment, je rappelle, si vous voulez skip the queue, hein, vous savez ce qu'il faut faire, vous lisez le titre. Hein. Voilà. Après, moi, c'est pas de l'EDM, donc je vais laisser la place aux autres qui sont là-dedans, au KLM. Mais j'ai... Ah, voilà, c'est vrai que, en tant que critique, on va dire technique, l'EDM, c'est mon dada. Après, tout ce qui est rock, tout ce qui est urbain, et je maîtrise pas. Voilà. L'artistique, je peux me débrouiller, et encore. On est sur du subjectif, pour le coup, Glab. Ouais, c'est open bar. C'est open bar. Bon, ça dit quoi, ce projet? C'est un... un remix de Rio Party Shaker, Charmendo Remix. Ok, d'accord. On est sur du remix non officiel, la méta remix. Je sais pas pourquoi tu fais des remix, toi, parce que, franchement, t'as des très bonnes stats, mais qu'à cela ne tienne, hein. Pourquoi se priver de les augmenter encore, hein? C'est pas parce qu'on a des très bonnes stats aujourd'hui qu'on doit s'en contenter. Très bonne idée. Donc la méta remix, eh bien Charmendo, il a écouté les derniers streams, je vois. C'est parti. Il y a une intro, c'est ça au début, hein. Je peux la zapper. Je sens que c'est une intro. C'est un bootleg remix, d'accord. Ok. Ouais, un flip, quoi. J'aime bien la musique de base et je pense qu'elle peut plaire. Ah, oh, bah la musique de base, oui, Party Shaker, incroyable. Incroyable, Party Shaker. Ouais, c'est un... Ok, donc je peux me mettre là. Un excellent choix. Un excellent choix. Ça fait partie des remix presque intelligents. J'ai envie de dire presque parce que la musique de base, bon, n'est pas du tout populaire encore aujourd'hui. On peut être sur l'aspect nostalgie, c'est pas hyper recherché. Rio, ils ont pas trop d'activité. Mais ma foi, Rio Party Shaker, c'était déjà une reprise d'une musique très connue, dont j'ai oublié le nom. D'accord ? Donc, on est sur du semi-intelligent. Ça marche très bien. C'est intelligent dans le sens où c'est le bon choix pour ton style, Charmendo. Ça, c'est très bien. Le smile est présent. La nostalgie est là. Et ça marche de fou furieux. En fin de set, ça, tu retournes la foule. J'imagine que l'arrangement n'est pas encore fini. Parce que là, on est sur du 2.30, ok. Mais on a eu 2 refrains, je sais pas. Ça m'avait fait un TikTok, ça a plutôt bien plu. Je vais continuer à jouer là-dessus. Très bonne idée, Charmendo.
Je suis en train de réfléchir à faire une strat un peu TikTok pour ce que vous avez entendu en début de stream. On va peut-être des conseils à te demander d'ailleurs. J'ai deux, trois idées, mais bon, je sais pas trop comment l'amener. Timmy Trompette, il va kiffer. Oui! Non, mais même moi, si je suis amené à jouer demain, ça, un truc comme ça, je veux le jouer, tu vois. Sans problème. Alors du coup, est-ce que l'arrangement est terminé là? J'ai un premier drop à placer. D'accord. En fait, Shermendo, je te demande ça parce que, conseil ultime là pour le coup, Shermendo, je sais que tu as tendance dans ton style à partir dans tous les sens, à mettre 28 drops, 28 build-up. Là, ma recommandation ultime, et là, bah, peut-être ça va pas te plaire, mais il va falloir copier l'arrangement de la musique de base. Tu vois? Il va falloir doser un maximum. Il va falloir pas montrer ton skill. Les remixes comme ça, c'est pas fait pour montrer son skill. C'est fait pour gagner en visibilité et c'est surtout fait pour être soft. Parce que qui va écouter ce genre de son? C'est les gens qui connaissent la musique de base. D'accord? Donc, si tu pars trop en couille, ils vont pas kiffer. Donc, il faut rester un peu soft. Exemple typique dans ton style qui peut être très très Ah, le bon. bad timing du follow. Merde. Ah, merde. Le bad timing. C'est de prendre Get Down. Pilou 08 Je a crois que c'est rejoint Get les Down. conos. Merci Pilou du follow. Bienvenue Pilou. DJ Get Down avec son remix de l'aventurier. Je crois que c'est DJ Get Down, hein, je suis pas sûr, hein, je sais plus. Mais bon, je pense que vous le connaissez tous, ce remix d'aventurier, parce qu'il est percé avec ce truc-là. Ça, c'est la référence ultime. Il a respecté la track de base aux petits oignons, et il en a pas trop fait. Tu vois? Il est resté assez soft dans son style. Pilou, je connais ce pseudo, putain, c'est... Tu suis Klein ou Merlin, je sais plus. Mais un des deux. Comment il va, Pilou? Non, c'est Merlin, Klein. Ah bah oui, c'est le coucou de Klein. Merci Pilou, en tout cas, bienvenue, hein, bienvenue ici. C'est Get Down ou... Non, Get Down. Il me semble c'est un FR. Il a fait un remix d'aventurier qui avait tout pété. Et franchement, inspire-toi de ça parce qu'il est vraiment... Il a vraiment dosé. Et là, pour le coup, tu vois, quand t'as commencé à partir sur un nouveau build-up puis un nouveau drop, je me suis dit... Ah, c'est trop. C'est trop, tu vois. Donc, n'oublie pas, recommandation ultime, pense à respecter la musique d'origine en termes d'arrangement. Ne pars pas trop en couille. Littéralement, ça, c'est un dernier drop. Pour moi, tu vois, tu démarres sur une cascade à vibe qui est... Oh! Une cascade à vibe que je dis, mais alors là, mais quand est-ce qu'on fait une collab, Charmendo? Une cascade à vibe qui est incroyable. Ensuite, tu démarres sur un drop avec la partie refrain. Ensuite, la partie mélodique. Très très bon, tu vois. Stop! On s'arrête là. Repars sur le second break, le deux, second machin. Et ça, tu repars en dernier drop, mais en dernier drop surprise, tu vois. Par exemple, l'arrangement pourrait très bien, en termes de dernier drop, reprendre la voix. Et la suite, non pas repartir sur un drop mélodique comme ici, mais ce serait ça, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas, Charmendo? Ouais, c'est Klein! Nice. Les rois, je dois y aller à la bise. Mais merci d'avoir été là, Glav, encore ce soir. Et puis, bonne nuit si tu vas te coucher, ou bonne soirée à toi, Glav. La bise. En vrai, j'ai suivi le vocal. Ouais, t'as suivi le vocal, mais c'est pas si long que ça, le refrain. Je pense que tu le sais, la musique d'origine, je la connais bien. C'est pas aussi long que ça, tu vois. Y a pas Klein. Bah non, non, y a pas Klein. Mais il a des soucis de co en ce moment. Ouais, à cause de sa co, tu m'étonnes. Pas évident. Avec la météo qu'on a de fou là ce week-end, c'est terrible. Bref. Voilà. Doser, surtout. N'oublie pas, Charmendo, le maître mot. Ma recommandation pour toi, c'est doser. Hein? Faut littéralement partir sur un truc dosé. Parce que ça, je pense que t'as vraiment écouté ce qu'on a dit ces derniers temps. C'est un remix ciblé. C'est un remix intelligent et un remix business un peu. Et je suis d'accord avec toi. Donc là, pour le coup, tu vas chercher un nouveau public. En fait, le but avec ce genre de remix, c'est d'aller chercher un nouveau public. Un public qui n'est pas forcément dans la hard music. D'accord? Donc là, pour le coup, faut doser. Faut pas tout lui donner. Si tu lui donnes tout, il va pas comprendre. Tu vois? Typiquement, le grand public, si tu lui fais part de tout ton skill, il va dire pas ouf. Tu vois? Tandis que si tu lui donnes un petit peu, tu lui montres de quoi t'es capable. Déjà, une, il va être intrigué parce qu'il va se dire c'est banger. Un mec qui fait de la hard, il fait un truc aussi bien, c'est banger. Et deux, ça peut amener à écouter tes autres sons. En mode intriqué, en mode oh putain. En fait, il est bon, mais qu'est-ce qu'il fait d'autre, tu vois? J'ai une référence et c'est comme ça que ça part aussi. Ok, nice. Bon, bah écoute, hâte de voir une version complète, parce que là, bah, c'est pas fini pour le coup. Littéralement, très bien ça. Très très bonne idée. Ça, avec les retours que t'as eu sur TikTok, continue à travailler ça. Bien. Très bon, Charmendo. Très très bon. Quand je dis exemple à suivre, Charmendo, mais littéralement, suivez-le sur tous les réseaux. Hein. Tous les réseaux. Faites-le. Gros exemple à suivre. Vraiment. Charmendo, incroyable. J'adore. Gros kiff. Whiteface, si t'es encore là. Vraiment. Inspire-toi de ce que fait Charmendo.
Et Charmendo, je pense que t'es ouvert à la discussion. T'as pas peur de donner tes tips ou des conseils, j'imagine. J'espère, en tout cas. Parce que franchement, très très bonne référence. Je ferai écouter la référence vendredi prochain. D'accord, ça marche. Pas de souci. Charmendo ne me suit pas sur Insta, donc je ne le suis pas. N'importe quoi. Et coucou l'Ariane, pardon. J'espère que tu vas bien. Ouais. Suivez Charmendo, hein, la vérité. Et je dis pas ça parce que c'est un copain, hein. Charmendo, bon, on se connaît quand même depuis un moment maintenant. Mais d'autant plus qu'il est pas du tout dans mon style, hein. Mais vraiment, si le taf est bien fait, c'est chez Charmendo. Oui, il y a que 115 sur SoundCloud, mais allez voir son Spotify, hein, vous serez étonné. Bon, enchanté. Enchanté de ce projet. Mais de plus en plus, et c'est bien, Charmendo, que tu prennes un virage un peu plus mainstream. Je pense que c'est pareil. À mon avis, tu dois écouter les conseils que je donne, de mettre des touches de mainstream dans sa musique. Et ça, ça en fait partie, ce genre de remix intelligent, tu vois. Des petites touches de mainstream qui vont te populariser, tu vois. Parce que, eh ben, parler à sa niche, c'est bien. Hein, la niche, hein, donc le style. Il est dans l'art style. Parler à sa niche, c'est bien, mais aller chercher d'autres personnes, c'est le plus difficile. Et je peux vous assurer que, bon, être influent dans une niche, c'est très très bien. Mais est-ce qu'on peut pas viser plus haut? Bah, pourquoi pas. Voilà, c'est ça qui va nous faire démarquer des autres au final. Alors oui, peut-être que les puristes vont dire « Oh, c'est mainstream, c'est commercial !» Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est pas eux qui vous font vivre, hein. Croyez-moi. Si jamais le son que tu viens d'écouter, c'est environ 8-9 heures de travail. Ah ouais, 8-9 heures déjà. Ouh, va peut-être falloir penser à revoir ton workflow aussi, ouais, Charmendo. Que 8-9 heures pour ça, moi j'imagine que tu fais ça beaucoup plus rapidement. Ah ouais, ça m'étonne que tu tombes pas plus bas en termes de d'heures de travail. Tu sauvegardes des trucs, rassure-moi, quand même. J'ai encore quelques trucs à fixer. Oui, je parle pas de mixage. J'avais noté des trucs, mais j'ai pas envie d'en parler. Bon, ça fait bonne raison qu'on n'est pas sur une version finale. Pour le moment, j'ai surtout envie de voir ce que ça va donner en termes d'arrangement. Voilà. J'avais noté des trucs, mais bon, je les ai supprimés, je suis trop con. Et j'ai oublié d'en parler. D'accord, merci BG, toi. Bah, ça va super. Méga session feedback ce soir. Si tu veux m'envoyer des trucs, hein, fais-toi plaisir. Ouais. Bon, c'est très cool. Merci Charmendo du partage. Hein. On continue avec Nixel. Il est là, mon Nixel. Il est où le jeune? Il est où, monsieur top 1 Fortnite, là? On l'attend toujours, le top 1. Hein. Soit disant, il est fait. On l'a pas vu. Hein. On n'a pas les preuves. Et si, on a les preuves. Il a fait une story. Il l'a fait, le top 1. Il est là, le bidon! Il est là, le bidon! Bon, Nixel Notion. On est sur une musique de type original. La waveform... Ah, j'ai déjà des choses à dire, j'ai l'impression. Et voilà la waveform qui est... Il y a des pics, là. Je sais exactement ce que c'est, ce genre de pics. Je commence à connaître Nixel. Ça, c'est ton intro avec tes hi-hats et tout, là. Ils me font peur, ces pics, hein. Les transients me font peur, là. Ils me font peur parce que c'est plus fort que là. Et là, on arrive sur le break. Aïe. Bon, j'espère que t'arrives à corriger ce genre de choses. Je sais que t'es en train de le faire, progressivement, mais ça va le faire aussi. Après, si t'arrives pas à te décider sur ce que tu veux faire, ça chiffre vite le temps. Oui, mais crois-moi, Confiture, Charmendo, il se connaît. Il se connaît très très bien. Ah putain, j'avais pas lu. J'ai dû changer quelques trucs entre-temps, comme des layers de lead, des synthés. Du coup, ça rajoute 2 heures de travail. Ah oui, d'accord. Ah oui. Donc, tu t'es servi de ce projet pour retravailler un peu ton sound design. Ok. Ah oui, forcément, ça ajoute du temps. Ok. Mais du moment que tu l'as trouvé, de toute façon, faut tout sauvegarder, les gars. Charmendo me suit sur Insta, je suis refait. Eh oui, bientôt actif sur Insta, là, Akitori, là. Hein. Le 10 mai, hein, ça approche. Ok. Quel est l'objectif avec ce son, Nixel, du coup ? Notion. J'imagine que on est sur de l'original, donc on va sûrement essayer de chercher des labels, à mon avis. On va chercher du label, Nixel. Mon FL est en PLS sur ce projet. Oula, ça veut dire qu'il est lourd, quoi. D'accord. Alors, si vos FL sont en PLS avec vos projets, la solution finale, c'est de faire des bounces. Hein. Voilà. Si jamais j'ai une tonne de templates de lead avec tous mes samples synth. Ouais, ouais, je me doute. Je me doute, Charmendo. Mais c'est vrai que 8-9 heures, quand même, pour faire un truc que tu maîtrises... Je trouve ça un peu beaucoup, mais enfin bon, ça viendra avec le temps, Charmendo. Alors, Cirnier sur du label très lourd. Ouh, attention avec les ambitions très hautes comme ça. Hein. Attention, très lourd, je sais exactement ce que tu vises. Hein, le label de Martin Garrix. Attention, Nixel, attention. Il faut savoir démarrer aussi en bas de l'échelle, c'est pas mal. Oui, j'ai dit solution finale, vaut mieux éviter. Oui, non, mais vous avez compris.
Attention, il n'y avait pas de jeu de mots ou quoi que ce soit. Hein. Voilà. Bon, et ben en tout cas, c'est tout le mal que je te souhaite, Nixel, de viser ce label-là et d'y arriver un jour. Donne tout ce que t'as. La vérité, Nixel, j'étais dans ton cas les 3 dernières années. Depuis 2020, j'avais visé un label très précis, hein, qui était Lituania HQ. Aujourd'hui, j'en ai 3 chez Lituania HQ. Donc, force, c'est pas impossible. Tu vas y arriver, mais est-ce que c'est encore le bon moment? Ah ouais, même confession, hein, pour moi, c'est même... ouais, bon, c'est même délire. Confession, c'est lourd aussi, hein, attention. Donc, est-ce qu'on en est au bon moment? Peut-être pas encore, mais casse la tienne. Ça n'empêche pas d'envoyer les démos. Surtout pas, ne te bride pas par rapport à ça. Hein. Voilà. Est-ce que c'est une musique que je connais déjà, Notion? Il me semble que tu me l'avais envoyé vendredi. C'est une musique que je connais déjà, non, Nixel? Rappelle-moi. Il me semble que tu me l'as déjà envoyé. Hein, je récupère les derniers liens. Hop, du Charmendo à nouveau. Et du Larian, let's go! Vous pouvez passer plein de fois ce soir, il n'y a pas de problème. Hein. Oui, je connais déjà. Ok, bon. Eh bien, on y va pour découvrir Notion de Nixel. Je me permets d'avancer l'intro hein, et de couper à l'outro. Bien sûr, l'intro à l'outro, bon, voilà. C'est juste là pour habiller la track, c'est pas le plus important. Marijuana, a powerful excitant, produces unpredictable emotional results. Marijuana, a powerful excitant, produces unpredictable emotional results. 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 Marijuana, a powerful excitant, produces unpredictable emotional results. 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 Je parais perplexe, Nixel. La dernière fois c'était overcompressed, là je trouve bien mieux quand même. Hein. C'est vrai que ça sonne encore patate, mais ça va. En vrai, ça va. Pourquoi je parais perplexe? Parce que t'as fait une modif de compo. Je l'aime pas du tout. Mais vraiment, c'était bien mieux avant en termes de compo. Et il commence à faire ce projet. Hein. Là, il serait temps de le clôturer quand même, Nixel. Vraiment. Pour le coup, là, même feedback que Whiteface, attention. Attention à pas trop donner sur un seul et même projet. Ah, mais t'as ajouté une lead. Elle est confuse, sa mère. Sauce. On sait pas d'où elle sort. La vérité, c'est pas une question de goût. Hein. Mais t'as ajouté ce truc. Ou alors, je l'avais jamais entendu avant. J'avais pas fait attention, mais le... On dirait un mec complètement rebou qui arrive d'un seul coup et qui fait... Comme ça. C'est la même sensation. T'es en photo de famille, tout le monde est bien habillé, tout le monde est bien coiffé, et là, t'as tonton Roger, il arrive et... Comme ça. Elle y était déjà? J'avais pas fait attention, Nixel. La vérité, elle m'a perturbé, là. Dégage-moi ça. Franchement, ça sert à rien. Ah.
Non, je te jure, franchement, elle sert à rien. C'est, je sens que t'as voulu ajouter de la matière, mais là, ça dessert plus ta traque que ça ne la sert, hein, la vérité. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, n'hésitez pas à donner un avis aussi, mais... non. Ah, là, attendez, j'ai des écrans noirs, je sais pas si je suis toujours en live. Voilà, tout a sauté, comme d'habitude. Carte graphique qui fait des siennes, hein. La vérité, c'est chiant. Hein. Ah. Écran vert, toujours. C'est revenu. Non, oui, non, oui. Ça y est, c'est revenu. Évidemment, j'ai plus mes assets. Bon, je fais un micro-cut, je